parti pour ce 110e crunch. Coup d'envoi donné par Marcus Smith pour l'Angleterre. Un ballon dans les bras de Charles Olivon. Touche à la relance, Stewart, l'arrière de cette équipe anglaise, tout de suite pris par Gaël Ficou. Et tout de suite, le grattage de Danti. Ouais, c'est récupéré par l'équipe de Ficou. Elle est très bien jouée. Il aurait dû donner là. Cyril Bagne, il y avait énormément de soutien. C'est pas terminé. Le relais dans l'axe de Grégory. Libération. Dupont, Ramos, Olivon, on écarte vite les bras. Ah, bien joué. Le relais maintenant de Ficou. Encore. Qui va aller. Tire les bras. Fantastique action avec du marqué. Extérieur. Soutien extérieur de Ramos. Allez, comment cette carte à mettre. Extraordinaire séquence de l'équipe de France qui frappe d'entrée. Le jeu au pied. 52. Ouais. Allez, ça va fuser. Ça va fuser. C'est gagné. Le 50-22. Merveilleux d'Antoine Dupont. Pris très bas. Dupont libère pour Danti, un petit peu arrêté, mais Danti sur le physique, monopolise des défenseurs. Allez, bravo! Flamand puisse laisser tous les poteaux! Magnifique! Et les bleus qui font l'effort sur le bleu fait. Allez, encore! Regardez cet effort collectif. Encore. Et un avantage à jouer en cours dans le fermé avec Grégory à l'intérieur. Le repas derrière son échelle! Le grand champ! Pour le troisième essai, l'équipe de France qui est peut-être. Il est parti Julien Marchand. Les soutiens sont un peu loin. Quand il arrive, Bay face à Jamie George. Le ballon toujours à l'avantage de l'équipe de France. Romain Taofifénois qui résiste à un double plaquage de Lodlam et Itoje. Encore une fois le petit coupé par-dessus. Et le rebond maintenant, Ntamak pour Flamand. Oh, le doublé. C'est bon. Pour Thibaut Flamand, l'intelligence encore une fois de jeu d'Antoine Dupont avec ce. À la réception, Stewart face à Romain Tamac en avant. L'avantage laissé aux Français. Ramos qui résiste à un plaquage. Allez, il y a le soutien intérieur. Il prend au pied la course. Antoine Dupont, les cannes d'Antoine Dupont face à Marcus. Allez, dans le but. Envoyez-le dans le but. Encore. Ça va pas de place. Prends ton sac. Sur la ligne d'un but, cette séquence de jeu des Français. Cinquième essai anglais. Exceptionnel. Farrell dans le dos, Stewart qui commet un en avant. Ballon récupéré par Dumortier. Allez, encore. Et un Dumortier qui sert Maxime Lucu. Ouais, pénalité. Ouais, là c'est un petit peu. Allez, Ntamack Lachister pour Ramos. Ficou, le jeu au pied, il y a Penaud à la course. Si le rebond lui est favorable, il y a un bout de bras. Toujours Damien Penaud qui va là. Extraordinaire. Le coup d'œil de Ficou. L'essai de l'humiliation cet après-midi pour les Anglais. Mieux parce qu'ils n'arrêtent pas. Ouh là là, la passe était limite en avant. Et là, Damien Penaud qui a demandé ce ballon. La passe au pied, la passe croisée. Et bien sûr, en vitesse pure, il le dépense, le défenseur anglais. Le public qui quitte le stade. Hein. Là, on est dans l'irration. Cette équipe anglaise. Et Flamand, encore une fois, en touche. Allez, la combinaison extérieur. Oh, bien joué. Allez, Jamais. Allez, Damien. Le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui. Oubliez le staff. Mais oui, lâchez-vous, bien sûr. Regardez ça, la combinaison. Rendez-vous à Richmond. Milieu du terrain, voilà, tout est parfait, tout est juste, les passes, les courses, c'est fabuleux. Et savourez pleinement ce succès, cette démonstration, ce triomphe français cette année.